C'est Jack Boubi et on se retrouve sur du God of War Ragnarok. Quand tu es assez de nos aventures et que nous sommes à peu près à la ligne droite apparemment du jeu, on commence gentiment à être au bout. Donc on verra bien. Donc Bespelem compagnie, on fera ça plus tard. Je sais pas si ça va être conséquent ou pas. Maintenant, il faut qu'on aille où? Ok. On peut retourner à la maison. Bah, j'aimerais bien aller voir Sindri. Si c'est possible. J'aimerais bien avoir des objets et puis améliorer mon mes armes. Oh, tiens, j'étais sûre que vous repasseriez par ici. Vous savez que tout le monde se réunit à Midgard. Salut, je voulais juste que vous sachiez une chose. Si l'un de vous a besoin de quoi que ce soit, je suis là. Enfin, ici ou... Ou dans l'un des vieux ateliers de Brock et Sindri. Je sais qu'on passe tous une sale journée, mais j'aime me tenir occupée. D'accord. C'est bon à savoir. Ah oui, et une pierre de résurrection aussi. Ça, c'est très bien, oui. Ok. Oui, ok. Comme ça, on en a au moins une. Et on doit aller où? Prêt, allez. Allez, let's go. Alors, nous y voilà. Le début de la fin. La fin d'Odin. Et ensuite, un nouveau départ pour nous tous. Atreus. Je sais. J'ai simplement hâte de voir tous les royaumes s'unir enfin pour lui tenir tête. Les elfes, les nains et elle en personne. Tu as l'air certain qu'ils s'uniront. Ils le doivent. Après tout ce qu'ils ont traversé, ils le doivent. Pas vrai? Ouais. Tu n'as rien besoin de faire à Midgard? Je veux dire, tant qu'on le peut encore? Freya et les autres sont encore en train de préparer l'assaut. Nous avons du temps. Oui, j'ai encore des trucs à faire, mais... Allez, on y va. On y va, et puis tous les quêtes secondaires, tout ça, je ferai seul. Les berserks, tout ça. Peut-être ce sera des épisodes supplémentaires. Ouais, j'aimerais bien descendre si c'est possible. Je dirais que ce voyage à Muspelheim s'est bien passé. Oui, probablement. Surt ne voulait pas impliquer Sinmara, alors au lieu de s'unir à elle pour former la bête du Ragnarok, il a proposé une solution qui permettrait de la laisser tranquille. Je vois. Dans ce cas, espérons qu'il viendra plonger son épée au cœur d'Asgard lors du Ragnarok. Mais où est-ce exactement? Les armées se sont sûrement rassemblées dans leurs royaumes respectifs, en attendant qu'on sonne le Gjallarhorn. J'espérais que certains d'entre eux seraient déjà ici. Quand toutes les tours des royaumes s'ouvriront une à une, tu les verras, petit. Odin n'en croira pas son œil. Non. Odin a eu l'éternité pour se préparer. Même si Groala Dupé, il a entendu la vérité sous les traits de Tyr. Ne le sous-estimez pas. Excellent discours, mon frère.
très motivant. Waouh, les Valkyries ont l'air différentes. Bienvenue. Ildis Vini m'a raconté votre réussite. Nous nous sommes préparés en conséquence. Eh bien, que serait le Ragnarok sans Ragnarok? Qui d'autre nous a rejoints? Je vois les Valkyries. Elles sont même nées à nouveau. Matérielles et dépourvues de toute corruption, grâce à beaucoup de magie vanne. Elles sont des Skaldmaux à présent. Génial. Et ton frère? Il est là. Les elfes ont instauré une trêve pour s'unir contre Asgard. Nous aurons l'avantage dans les airs, et avec l'armée de Hel en avant-garde... Et Sindri, est-ce que les nains se battront? Nous sommes sans nouvelles, mais il reste du temps. Et je pense que nous avons ce qu'il faut pour ouvrir la voie à la bête du Ragnarok. Après tout, dit comme ça, pourquoi est-ce qu'on s'inquiéterait? Sigrun, comme il est bon de te voir si... vivante. Oh, oui. Je n'étais pas moi-même la dernière fois. Contente que tu sois sauf. Ma reine, les Skaldmaux accompagneront les forces en provenance d'Alfheim, de Helheim et de Midgard. Nous nous tenons prêtes. Kratos, Atreus, Mimir, veuillez m'excuser. Oh. Eh bien, bonne nuit. Freya, as-tu trouvé comment quitter Asgard? Si les tours permettent d'y entrer, espérons qu'elles permettent d'en sortir. Et si ce n'est pas le cas? Nous savions tous où nous mettions les pieds. Il ne nous manque plus qu'une seule chose. Un chef. Cet honneur te revient. C'est ton droit légitime. Et tes troupes te respectent. Et tu as déjà fait dans le passé. J'ai tenu merci son à toi, Reyasco FN. Nous sommes les envahisseurs. Bonjour à et toi. Nous assiégeons son territoire. Je veux notre général le plus expérimenté. Je t'appellerai. Comme Rey Mysterio, comment vas-tu? Des honneurs, des prophéties ou des champions. Seule la victoire m'importe. Freya. Je sais ce que je te demande. Essaie d'y réfléchir. Nous y voilà. Kratos, ta tente est sur la droite. Atreus, la tienne est à gauche. La mienne? Tu ne penses pas qu'un jeune guerrier mérite son propre espace? Si. Mais toi, ça va bien, merci. Oh. Merci. Pense à ce dont nous avons parlé. Tu me donneras ta décision demain matin. Ok. Ouais. Royaume de guerre. Allez. Tu connais le jeu ou pas du tout? Très. Ah. Puis-je parler un instant à Mimir? Sûr? J'ignore où nous serons demain, mais... si cette nuit est la dernière... j'aimerais ressentir autre chose que de la haine. Me conterais-tu une dernière histoire idiote? Rien ne me ferait plus plaisir. À part peut-être une danse. Mais je crains d'avoir perdu le rythme. C'est normal. Pour moi, j'ai envie de savoir l'histoire. Sauf ton normal. Respect, je ne dis pas d'histoire idiote. Toutes tes histoires sont idiotes, Mimi. Tu as toujours raison. Ok, d'accord, ouais. Ben, si tu veux éviter de te faire spoiler. Est-ce qu'il va avoir un... ah, t'as déjà fini le jeu, ok. D'accord, alors, me spoil pas si c'est possible. Il y a des choses que j'étais un petit peu sur le cul là. Maintenant il va s'endormir, puis peut-être il va à nouveau rêver. Tu recommences en God of War, ok. D'accord. PS4 ou PS5? Parce que là je suis sur PS5 moi. Dormir ici. Ouais, pas de soucis, PS4, ok.
fais le vide dans ta tête. J'y sais. La peur. J'ai jamais fait une guerre de sa vie. Bien. Je vais te raconter une histoire. Si jamais je m'endors, c'est pas grave. Tu pourras la finir demain. Bien sûr. Bon. Ferme les yeux. Il était un vieil homme qui coupait du bois pour son village. Soir après soir, sur son dos, il portait les bûches et les distribuait à son peuple. Mais les bûches étaient lourdes et les années l'affaiblissaient. Puis un jour, il jeta les bûches parce qu'il n'était plus capable de les porter. Et il implora la mort de venir le prendre. Et quand la mort arriva, il... Il voulait pas la guerre. Il est attristé par ça. Peut-être c'est son père. Peut-être il racontait son père. C'était une femme d'exception, mais à côté de la plaque en ce qui concerne les hommes. Brock ? Une femme spéciale. Elle voulait protéger les gens. Elle est venue ici. Elle a fait chacun de nos pas avant nous. Comme si elle était à nos côtés. Pour veiller sur nous. Et nous ramener à la maison. Est-ce que ma requête te chagrine ? La mort fait partie de la vie, mon amour. Je souhaite seulement que tout soit prêt quand viendra mon heure. Ok. Ah, c'est l'histoire avant, quand elle fait la protection. C'est ainsi quand on est mortel. Je suis heureuse que tu m'aides à me préparer. Ok. Tu ne dis rien ? Je n'ai rien à dire. Eh bien, dis quelque chose. J'aime entendre ta voix. Un bûcher funéraire. Ce n'est pas ce que j'aurais choisi. Ah ?
D'où je viens, nous inhumons ceux qui nous sont chers. Tu me piégerais sous terre pour l'éternité? Je te garderai près de moi. Charmant. Mon corps putréfié te serait d'un grand réconfort. Ah bah oui. Bien sûr. Ok, d'accord. N'as-tu pas toi-même tenté de choisir ta fin autrefois? C'était différent. Les circonstances l'étaient, oui. Mais pas la finalité. Je sais pas comment il va être mort, Kratos. Peut-être dans, dans une bataille. Moi, je vois que ça, hein. Tu te prépares pour un avenir lointain. Nous avons encore du temps devant nous. Je veux rendre meilleur un avenir dont je ne ferai pas partie. Il arrivera tôt ou tard. Pour toi et pour notre fils. Nos chemins ne se quitteront jamais, Kratos. Tu feras toujours partie de moi. Et je ferai toujours partie de toi. Quand tu ne seras plus là, cette partie de moi mourra à jamais. Faye, imaginez ton absence. Oh, non. La seule issue à l'amour, c'est le deuil. Et pourtant nous aimons, malgré l'inévitable. Nous ouvrons notre cœur à ce risque. Quand le bûcher sera consumé, et que tu auras rassemblé mes cendres, jette-les du plus haut sommet de tous les royaumes. Je veux que tu m'en fasses la promesse. Ceux qu'on pleure le plus sont ceux qu'on aime le plus. Ouvre ton cœur à ce monde comme tu me l'as ouvert et tu finiras par trouver toutes les raisons de continuer à y vivre. Musique incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Il est temps. Je te rejoins dehors, père. Général. C'est incroyable, comme c'est vraiment comme un film, quoi. Sauf que c'est toi qui t'es interagi nous après à un moment donné. Une vraie bataille à vos côtés une dernière fois, ma reine. Moi aussi, mais plus en tant que reine, en tant que sœur. Es-tu prêt? Oui.
serai votre général. Ce sera un honneur de combattre à vos côtés, général. Oui, mon frère. Je serai à tes côtés. Alors, quels sont tes ordres ? Allons au temple. Okay, let's go. Oh, tu comptes partir sans t'équiper, gros malin ? C'est peut-être ta dernière occasion de le faire. Oh, désolé, trop sinistre. Général. Père. Général. Général. Chef. Salut, mon... Général. Salut, mon... Général. Ok, on revient où on devait être. Je suis venu sur ces terres pour fuir mon passé, vivre une nouvelle vie. Je ne peux plus me cacher. Je ne souhaite pas cette guerre. Nous avons trop souffert. La prophétie ne nous a pas menés ici. Et ne gagnera pas cette bataille. Les guerres sont remportées par ceux qui sont prêts à tout sacrifier. Si tel est le prix de la vengeance, alors soit. Odin nous a déjà pris tellement de choses. Les royaumes ont souffert suffisamment. Quoi qu'il en coûte, tout s'arrête aujourd'hui. Si disparaître dans le feu de la gloire me permet de brûler Odin, alors j'y serai. Un sourire large et franc sur mon visage. Pour Brock. Shadow, ce jeu c'est incroyable. Tenez-vous prêts. Odin s'en prend à Niflheim après. Ils essaient de bloquer le Ragnarok. Il faut stopper leur machine de guerre. Eh bah tiens, Thor. Ça commence plutôt mal. Attendez. Une vie, on n'a pas le temps. Je sais. Attends.
On a du travail. Vous trois, suivez-le. Atreus. Freya, avec moi. Couvrez nos flancs. Aux machines de guerre. Allez, let's go. On y va. C'est la guerre. Par ici. Ok, allez, dégage. Ah ouais, il y a eu bien eu un bug, ok. Il y a bien eu un gros bug, ok. J'aurais préféré un géant de feu destructeur de royaume. Ouais, il y a bien eu un bug, donc je sais pas pourquoi il y a eu ce bug là. Maintenant que je voulais, moi. Ouais, non, non. Wesh, y'a trop de monde. Mais non! Mais non, je t'ai esquivé, connard!
Attention! Mais non! Dégage avec ta merde, toi! Ok. Par ici. Là-haut. Le serpent monde. Content de le voir, mais il ne nous a pas suivis depuis Midgard. Curieux. Il occupera Thor au moins. Il semble animé. Tant mieux. Ok, d'accord. Dégage. Ok. On peut dire adieu au renfort d'Alfheim. Nous n'aurons bientôt plus de soldats. On dirait que les grands géants sont venus finalement. Le serpent a changé. Oui, il est différent. Mais quand j'étais parti. Oublie ça, on verra plus tard. Le lien des Eneriar au Valhalla. Mes sœurs et moi devons le couper. Va. Toujours aucun signe des nains. Sindri ne nous lâchera pas. Nous devons croire en lui. Rallie ce que tu peux. Nous irons vers la tour de Svartalfheim. Ok, j'ai Atreus avec moi, ok. Mais quel est le plan? Comment va-t-on briser le mur sans le Ragnarok? Les machines de Gaël. Oh! Alors, la situation est désespérée. Attention, frère. Couvert de Les flèches légionnaires peuvent percer leurs boucliers. Allez, dégage. Fragile.
Oh bah vas-y le chien. Bute-le. Cette Valkyrie les a suivis à travers la brèche du royaume. Mon ami, elle... s'en sortira. T'as des choses plus importantes à régler. Même si on arrive à briser le mur. C'est peut-être mieux ainsi. Mais mieux pour qui? Lui est tout calme, Kratos. Atreus, il a hyper peur. Il peut comprendre. Nouvelle zone. Les nains sont là. Bien joué, Sindri. Oh, ce n'est que Sindri. Je sais, je suis en retard. Où est ton armée? Trop de nains sont déjà morts pour ça. Sindri, je sais. Odin les a forcés à construire ces machines de guerre. Et je suis ici pour les détruire. Avant de les détruire, nous devons les braquer sur la faille. Bien. Laissez-nous les nains finir le travail des géants. Ok. Au moins ce que tu voulais. Je sais pas ce que je voulais. Non. Ferme ton cœur à la douleur. Ferme ton cœur. Où est la guerre? Bah tu l'as eu, hein. Qui sont-ils? Des Midgardiens. Odin les héberge. Ils n'ont rien à faire là. Ils ne se battent pas. Odin se sert d'eux comme d'un barrage. C'est la guerre. Les guerres sont gagnées. Par ceux qui sont prêts à tout. Sacrifier ? Ouais. Sacrifier. Qu'est-ce que tu fais ? Fils, écoute-moi bien. Tu sens leur peine parce que c'est dans ta nature. Et tu ne dois jamais sacrifier cela, jamais, pour personne. Écoute-moi, j'avais tort, Atreus. J'avais tort. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à leur souffrance. C'était le souhait de ta mère. Et c'est le mien. Cette fois, nous serons meilleurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous avez vu la taille de ce truc ? Je pense qu'on va gagner. Si on ne meurt pas avant... Pourquoi vous arrêtez ? Le Ragnarok est là. Nous avons enfin Odin à portée de nous. Nous arrêterons Odin.
Mais nous ne voulons pas sacrifier des innocents. Nous passerons le mur à la faille de Rimtur. Avec quelle armée? Atreus et moi irons seuls. C'est du suicide. C'est possible. Mais nous mourrons pour la justice, et non la vengeance. Cette arme peut-elle ouvrir la faille? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Vous trois, mettez ces gens à l'abri, trouvez-leur un lieu sûr. Très bien, ce sera fait. Freya et moi ferons notre possible pour ralentir le Ragnarok. Il n'était pas ainsi avant. Essayez de lui faire entendre raison. Odin ne s'en tirera pas. S'il s'échappe, alors je te jure. Je sais. Valkyrie! Non! Non! Protège-le! Je me charge de ceux qui sont piégés, et je te retrouve à la faille! Allez! Pars, Atreus! Ok, on est Atreus maintenant. Sindri! Fais attention et reste derrière moi! Toi, sois. Et reste derrière moi. Atreus! Écoute, est-ce que je peux dire? Non, tais-toi. Tais-toi, en silence. Je te remercie. Non, je veux juste... Je me fiche de ce que tu veux. Ça ne change rien. Tu m'avais presque convaincu qu'on n'avait pas à être ennemis. Trud, tu vas bien? Mais ma mère avait raison depuis le début. Tu es un tueur exactement comme ton père et tu es là pour tous nous tuer. Non, juste Odin. Sindri, non! C'est une amie. Les amis n'amènent pas la fin du monde aux portes de leur maison, Loki! C'est vrai. C'est vrai. J'ai pris de mauvaises décisions. Ça t'arrive souvent, c'est une mauvaise excuse.
Ce n'est pas une excuse. J'essaie juste de me rattraper. Est-ce que Skulder va bien? Tu as pu le voir? Pourquoi il irait mal? Qu'est-ce que tu racontes? Odin a choisi de sacrifier les Midgardiens. Il les a mis le long du mur pour tenter de nous arrêter, les sachant sans défense. Il meurt dans le seul but de nous ralentir. Pourquoi il ferait ça? Et dis-moi pourquoi je devrais te croire? Parce qu'il a raison. Il dit vrai. Odin est ainsi. Et ce, depuis toujours. Mère, que fais-tu ici? Qu'est-ce que... Il sacrifiera n'importe qui se mettra en travers de sa route. Les Midgardiens. Ton ami. Notre famille, même toi et moi. J'espérais que ton père lui aurait tenu tête, mais à présent, c'est à toi de le faire. Mère, je ne comprends pas. Trude. Je n'ai jamais douté que tu deviendrais la plus grande des Valkyries que ces royaumes aient jamais connus. Mais pas pour lui. Est-ce que tu comprends? Mais notre famille... Sans Odin, nous pourrons en être une. Une vraie famille. Ce qu'il fait est mal. Il a dit que si on bougeait pas, tout irait bien. Qu'on lui devait bien ça. Tu ne lui dois pas ta mort. Sans blague. Père ne la laissera pas atteindre grand-père. Alors vas-y aussi. Toi, il t'écoutera. Es-tu prêt à aller retrouver tes semblables? Oui. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Enfin. Ok. Qui est la fille? Bonjour, Trude Torse de Tyr. Torse de Tyr? C'est mon ami. Derrière toi!
Il a joué son rôle. Le reste dépend de nous. Attention! Allez, dégage. Ok, on est pas mal. Le grand pavillon, c'est là que nous devons aller. Pas voulu m'écouter. C'est pas notre plus gros problème. Serpent-monde ! Retourne auprès de ta sœur. Vous devez retarder le Ragnarok. C'est mon combat. Mais je pourrais. Pars avec Atreus et le masque, ne vous retournez pas. Mon fils te fait confiance. Alors, moi aussi. Tu m'as rendu ma fille ! Attends ! J'en ai plus qu'assez de toi et de ton fils ! Oh putain, une deuxième bataille. On a suffisamment joué, toi et moi. Et cette fois, j'ai la permission de te tuer. Pas nécessaire! Détrompe-toi! C'est ce que nous sommes! Ça ne suffira pas! Je peux continuer! Toi! Ah.
qui est convaincu que t'as changé. Prouve-le, mets fin à tout ça. Assez bavassé. Bats-toi et meurs. Le père de tout a fait de toi ce que tu es. Tu peux choisir. Vous mourrez tous ici. Réfléchis par toi-même, Brunson. Ta famille a besoin de toi. Ne prétends pas me connaître. What? Oh non! Tu as attaqué ma fille! Non! C'est faux! Prends à mon foyer! Prends ma famille! Comment esquiver ça? Ce n'est pas ce que Tron... Je t'interdis de prononcer son nom. Prêt, debout. Tout allait bien avant que Loki fasse son apparition. Est-ce que c'est... Ce ne sera pas moi.
Ce n'est pas ce que Trude... Je t'interdis de prononcer son nom. Vous allez bien avant que Loki fasse son apparition. Il a failli convaincre. Il m'a fait croire que les choses pouvaient changer. Non, écoute-moi, ce que tu as à dire ne m'intéresse pas. Odin n'est pas... Ferme-la. Savoir ce que tu attends. Ta fille et mon fils sont amis. Si tu lui fais du mal, je n'en ferai rien. Tu as oublié ce que j'ai fait. Non. Mais que vas-tu faire maintenant? On ne changera pas. Nous sommes des destructeurs. Plus maintenant. C'est terminé. Pour le bien de nos enfants, nous devons être meilleurs. Pourquoi n'est-il pas mort? Vous discutez? Qui t'a demandé de faire la causette? Tu ne parles pas. Tu ne penses pas. Je pense, tu agis. Ça n'a pourtant rien de compliqué. Sif savait qui tu étais. Mais je refusais de le voir. Que se passe-t-il? Tu es malade? Je suis ton père. Prends ce marteau et tue qui je t'ordonne de tuer! Oh l'enfoiré! Oh l'enculé! Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que je voulais. Mais quel enfoiré, Soudain! Trude, tout est de leur faute. Ils s'en prennent à nous, à notre famille. On n'est jamais si bien servi par soi-même. Flaine est votre propre fils! Votre petite fille! Pourquoi? Trude s'en sortira. Je l'ai sauvé. Et Thor, c'était ta faute. Tu l'as retourné contre moi. Tu les as tous retournés contre moi.
N'importe pitié. Combat contre lance. Rends-moi mon masque. Oui, bien sûr. Parce qu'on sait tous qu'on peut te faire confiance. Ça ne se finira pas comme ça. Ce que tu voulais. Ton plan était-il vraiment meilleur que le mien? J'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais. Non, pas encore. Presque. Croyais-tu être le seul à pouvoir lancer un sort d'obédience? J'ai passé des hivers entiers à m'imaginer ce que j'allais te dire quand je pourrais enfin te regarder et rendre ton dernier souffle. Mais maintenant, je réalise qu'il n'y a qu'une seule chose que tu dois savoir. Tu n'as plus aucune emprise sur moi. Oh, c'est... cher Frey. J'avais oublié à quel point les ailes t'allaient bien. Oh, mon époux. Tu as toujours eu soif de connaissances. Eh bien, je vais t'apprendre ce que cela fait de tout perdre. Prosterne-toi devant ta reine. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu le sais. Tu n'as jamais aimé personne. Qu'est ? Freya ? Freya ?
Tu as réussi, Loki. Non, non, non. Je ne veux plus me battre. Non. Tout ça n'a plus d'importance. Ton heure est venue, Loki. Groa a voulu me cacher ton existence, mais c'est ton destin. Champion des Jotnar. Lui seul peut revêtir le masque. Lui seul peut contempler l'essence de la création. Découvrir les secrets de la vie et de la mort, mettre fin au doute, à la confusion. Tu es né pour ça. Mets le masque, Loki. Vas-y. Pose-lui la question. Le choix te revient, mon fils. J'ai confiance en toi. Ça. Après tous ces efforts, tu as choisi de tout gâcher. Ah ! Oh putain de merde. Comme tu veux. Et c'est reparti. Tu attends cela depuis longtemps, hein ? N'est-ce pas, Fritz ? Moi aussi. Il est trop tard. Oh. Pourquoi ? Des flèches. Je l'ai eu.
3 contre 1 quand même. C'était notre chance, Loki. J'aurais pu obtenir mes réponses. J'aurais pu connaître la vérité. Tu m'as tout arraché. J'aurais pu tout arranger. Nous aurions pu parfaire les 9 royaumes. Vous vous fichiez des royaumes. Et de moi, vous ne pensiez qu'à vous. Tu as tout détruit. Mon foyer, ma famille, mon royaume. C'est vous qui avez fait ça. C'était vos choix. Vous avez tué votre fils. Non, tu te trompes. Je n'ai pas eu le choix. On a toujours le choix. Vous devez arrêter. Choisissez d'être meilleur. Non, je ne peux pas. Je dois savoir ce qui se passe ensuite. Je ne m'arrêterai jamais. Pourquoi avez-vous dit ça? Sofna. Apfra. Tessou. Sofna. Ethan. Sofna. 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 Que va-t-on faire de lui? Je t'ai promis que le choix entre la vie et la mort t'appartiendrait toujours. J'attends ce moment depuis tant d'années. Mais maintenant qu'il est arrivé, je n'en ai pas besoin pour me reconstruire. Nous avons mis fin à sa folie. C'est tout ce qui compte. Voilà ce qui se passe ensuite. C'est le Ragnarok. Il est là. On doit y aller. Aller où, au juste? Vous cherchez une sortie? Comment? C'est un truc de géant. Allez, suivez-moi. Faites vite. Wesh! C'est pas ce quoi là? Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Mais ton destin t'appartient. Suis-le, et tu arriveras exactement où tu dois être. Maman. Il revient à lui. Réveille-toi, Atreus. Réveille-toi. Contente que tu sois sain et sauf. Oui. Où est mon père? Quelque part ici, dans le bois. Il sera content de te voir. Mmh.
Merci, Eir. Ragnarok. Ok. Le royaume en guerre. Trouver père. Maman, arrête, je vais bien. Silence. Trud. Loki! Je suis si heureux que vous soyez en vie. Vous pouvez pas savoir, je suis désolé. Thor était... Il a fait... de son mieux, vous savez. J'aurais aimé pouvoir en faire plus. Rien ne pourra soulager votre peine. Mais j'espère que la mort d'Odin vous apportera quelque réconfort. Tu n'imagines même pas. Loki, c'était un honneur de me battre aux côtés d'un géant. Sache-le. Allez-vous rester à Midgard ? Pour un temps. Ensuite, il y a une chose que je dois retrouver. J'aiderai Ildisvini à guider les autres Asgardiens jusqu'à Vanaheim, pour aider à la reconstruction. J'espère qu'ils pourront y prendre un nouveau départ. Et vous aussi. Oh, et toi, Trud. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Bonne chance. À plus tard, Loki. Prends soin de toi. Eh ben, décidément... Nous les ferons réparer plus tard. Ça devrait pas être nécessaire. Sottise. Une Skiadmo doit toujours veiller au bon état de ses armes. Si elles sont émoussées, cette Sigrun risque de te passer un savon. Vraiment, tu crois ça? Je sais que moi, je le ferai. Non, ça, je le sais aussi. Ok. Allons voir notre père. Huggins s'en est sorti. Tant mieux pour lui. Oh, et si vous pouviez apporter ce bois à la tente de Branas? Skjöldr? Oh, Loki. Tiens, content de voir que tu m'as pas oublié malgré le coup à la tête. T'as bien pris un coup à la tête. Tout s'est passé tellement vite, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Enfin, bref. Ah, je suis content de te voir. Oui, moi aussi. On dirait que tu as trouvé de quoi t'occuper. Oh, ça me fait plaisir d'aider les gens. On aura bientôt des couvertures pour tout le monde, et les loups de ton ami nous aident pour la chasse. On devrait pouvoir nourrir toutes les bouches. Sans blague. Sans blague. Ah ! Et merci pour tout. On serait même plus de ce monde sans toi et tes amis. Ouais, peut-être. Mais... j'aurais aimé qu'on sauve plus de gens que ça. Loki, c'est déjà bien. Merci, Skjöldr. Prends soin de toi, d'accord ? Eh, tu me connais ? Ah. Ah, le voilà. Un verre de plus pour le petit. Skål. Bravo. Skål. C'est grâce à vous que nous sommes arrivés jusqu'ici. Et grâce au sacrifice de Freyr. C'est vrai. On était justement en train d'échanger nos propres histoires sur Freyr. Bien, bien. Où en étais-je? Ah. Quand nous nous sommes rencontrés, je m'attendais à voir un guerrier. Un stratège. Un chef naturel. La légende qui précédait l'homme. Mais l'homme lui-même était... bien différent. Et pourtant, il m'a convaincu. Il était tellement chaleureux. Qu'il ait été si séduisant a probablement aidé. C'est vrai. Et il était incroyablement charmant. Ça suffit. Arrêtez. Vous allez encore me faire pleurer. Désolé. Je dois aller trouver mon père. Fais attention à toi. Okay. Contente que tu sois réveillée. Freya. C'était son choix. Je ne pouvais pas l'en empêcher. Il nous a tous sauvés. Je ne l'oublierai jamais. La famille que je pensais avoir m'a été enlevée peu à peu. Mais je trouve le réconfort dans la famille que j'ai choisie. Ta mère avait raison. Tu as fini par maîtriser cet arc. Tu es un formidable guerrier, mais par-dessus tout,
Tu as un grand cœur. Et les épreuves que tu as traversées n'y ont rien changé. Je suis très fière de l'homme que tu es devenu, Atreus. Merci. Merci pour tout. Il faut que je trouve mon père. Vas-y. Atreus ! Oh, tu nous as fait une belle frayeur, tu sais. Content de te voir aussi, Mimir. Écoute, je voulais te remercier. Ah, tu t'attendais à quoi de la part de l'homme le plus intelligent qui soit ? Tu n'es pas juste intelligent. Tu m'as écouté. Tu m'as guidé. Et, eh bien, tu es comme un deuxième père pour moi. Petit... Non. J'ai besoin que tu le saches. Je tiens énormément à toi. Je t'aime aussi, petit frère. À plus tard, Mimir. Il est bon de te voir ici, Atreus. Toi aussi, ils disent Vini. Lui, ça a été 2-2, hein. Et on est bien ici, hein. Aucun bruit. Aucun danger. Tu as été brave aujourd'hui, mon grand. Je suis fière de toi. On essaiera de trouver des petites gâteries. Allez, à moi. Qui sait, hein? Oui, on le connaît. Un jour, peut-être, j'arriverai à te surprendre. Oh, c'est déjà fait. Nous avoir sauvés. Je me suis dit que ce serait mieux si j'écrivais la fin moi-même. Tu n'as rien raconté à ton père, n'est-ce pas? À propos de quoi? Enfin, vision de géant. Je l'ai déjà vu. J'ai compris. Je sais, au fond de moi, que c'est ce que je dois faire, mais... Mais je... Je ne sais pas comment le dire. Viens avec moi. J'aimerais te montrer quelque chose. Et toi aussi. Je ne veux pas m'immiscer. Tu es concerné. Ok. Atreus, je suis heureux que tu ailles bien. Oui, toi aussi, père. Alors, comment se termine l'histoire ? Avant le Ragnarok, tu avais promis de la terminer si je m'endormais. Lorsque la mort arriva, elle demanda au vieil homme pourquoi il l'avait appelée. En la voyant ainsi devant lui, celui-ci reconsidéra sa demande. Après quelques instants, il demanda à la mort de l'aider à remettre les bûches sur son dos pour qu'il puisse reprendre son chemin. Il n'était pas prêt à mourir. Il voulait continuer à vivre. Tu ne seras jamais prêt à mourir, malheureusement. Il y a beaucoup de fumée ici. Il semblerait qu'à la chute d'Asgard, des morceaux du royaume ont été projetés dans les autres royaumes. Il reste peut-être quelques Einherjar dans les parages, mais... Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai amené ici. Tu sais pourquoi il nous amène. Ok.
D'accord. Il était planqué celui-là. Fresque à Jotunheim. C'est elle qui l'a détruite. Elle voulait nous cacher notre destin. Elle nous a forcés à tracer notre propre voie. Elle s'est dressée contre son peuple. Notre peuple. Pour vous sauver. Elle ne s'ouvre pas toute. Je suis désolée. Père, je dois te parler de quelque chose. Je sais qu'il y a d'autres géants ailleurs. Et il faut que je les trouve. Je crois savoir où chercher, mais c'est ma responsabilité. Je dois faire ça tout seul. Je n'ai pas envie de le faire seul, mais il le faut. Je ne saurais l'expliquer. Cela te fait-il peur? Oui. Alors, c'est pourquoi tu dois le faire. Comme tu me l'as appris. Oui. Nous avons survécu aujourd'hui grâce à ton instinct. Qui croire? Qui sont nos amis? Fils, tu es prêt. Souviens-toi, notre promesse. Loki s'en va. Prends soin de tout le monde.
Il y a quelque chose derrière. Il y avait un autre truc derrière. Non. Attends. Oh, il avait prédit combat, tout ça, ok. Ça va être quoi le dernier truc? Ah. Vont vous vénérer. Et maintenant ? Il y a beaucoup à faire. À reconstruire. Une suite ! M'aiderez-vous tous les deux ? Oui. Nous œuvrerons. Ensemble. Comme à la fin du premier. Mais il y aura quelque chose à la fin. Quoi, je sais pas, mais... Est-ce qu'on va avoir le secret? Ou alors, peut-être c'est vraiment terminé. Il est vraiment beau ce jeu, hein. Ce sera peut-être une de la vidéo la plus longue que j'aurais fait en let's play, mais... Freya, nous devrions sans doute parler de Gunnar. Nous n'avons pas besoin d'en parler. Il nous faut seulement la trouver. Mais Odin l'a choisie, elle, comme nouvelle reine des Valkyries, une déesse Van, ton amie. Gunnar a prêté allégeance à Asgard il y a bien longtemps, et notre amitié a cessé peu après. Que s'est-il passé? J'ai fait un choix. Elle n'a pas pu accepter. Kratos, elle me hait. Elle nous posera problème. Nous ferions mieux de la trouver avant qu'elle nous trouve. Et un de plus pour ce beau grand gaillard. Skål ! Skål ! Alors.
Bon bah il y aura les quêtes secondaires à faire quoi. La quête principale est terminée. Nous pouvons en accueillir quelques dizaines par camp. Les familles resteront ensemble évidemment. Prends soin de toi Kratos. Merci. Merci. Nous apporterons autant de provisions que possible. Ça ne fera pas beaucoup. Ne vous en faites pas. Ceux qui seront aptes à le faire pourront sortir chercher d'autres provisions. Az et Van. Ensemble. Général, Dame Freya, Mimir, Madame. Skjaldmur. Blessathur. Alors, ma chère Freya, as-tu retrouvé la traîtresse Gunna? Pas encore. Bientôt. Une dernière chose. Nous t'adressons nos condoléances. Pourquoi? Pour ta famille. Pour ton frère. Nous ne voulions pas te blesser, ma sœur. C'était il y a une éternité. Des souvenirs et des ruines. Je ne pensais pas qu'il en restait quoi que ce soit. J'aurais aimé que tu m'en parles. J'aurais compris. Ce qui est fait, mon cher Mimir. J'apprécie tes aimables paroles. Oula. Il y a un bug là. Ah, un bug, super. Bon, on arrive vers cette porte là. Il tient à rien du tout, hein. Par contre, Sindri. Je pense que là. Ah. Ah, problème. Problème. Là, il y a vraiment problème. Je peux rien faire. C'est quoi ce bug de merde? Tu veux pas me dire que je vais faire une recharge ou bien. Des Valkyries, une déesse Val, pour la nuit. On a raconté allégeance à Asgard. L'amitié a cessé peu après. Que s'est-il passé? J'ai fait un choix qu'elle n'a pas pu accepter. Kratos, elle me hait. Elle nous posera problème. Et nous ferions mieux de la trouver avant qu'elle ne grand gaillard. Skål! Skål! Accueillir quelques dizaines par camp.
Les familles resteront ensemble, évidemment. Prends soin de toi, Kratos. Merci. Merci. Nous apporterons autant de provisions que possible, même si ça ne fera pas beaucoup. Ne vous en faites pas. Ceux qui seront aptes à le faire pourront sortir chercher d'autres provisions. À Azevan. Ensemble. Bon, on va sortir de là. Allez. Après le Ragnarok. Le Ragnarok a part patient de passer, mais il reste beaucoup à faire. Kratos, Freya, Mimir, explore. Voyons restant pour découvrir un vestige d'Asgard. Faites vos preuves. Donc, les Muspelheim, affrontez les redoutables armées de Berserk. Terminez les services pour vos amis alliés. Aventure, défi et mystérieux vous attend. Rastostok, Ratatosk détient une nouvelle graine d'Yggdrasil qui vous donneront beaucoup de royaumes. 4. Vous pouvez rejoindre. Ok. Où allons-nous maintenant? Il nous reste quelques affaires à régler dans les royaumes. Où nous pourrions enquêter sur ces débris d'Asgard? Choisis, mon frère. Nous te suivrons. Dernier vestige d'Asgard. Bah, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a également parlé d'un rassemblement en l'honneur de Brock à la taverne de Raeb, à Svartalfheim. J'aimerais y assister. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo, en tout cas pour ce let's play. Merci à tous les gens qui sont venus, puis je vous dis la suite au prochain numéro. Allez, à plus les gens. Et merci d'avoir regardé la vidéo. À la suite au prochain numéro.